Vous êtes sur la RTNC.cd. Il est temps de vous informer à la une de ces matins. La RDC élue membre du conseil d'administration de l'ITIA international. Le pays représente aussi 8 nations de l'Afrique francophone. Nous irions au Sénégal pour faire le point avec nos envoyés spéciaux. C'est un adolescent en bonne santé qui peut enfin reprendre le chemin de l'école. Roger Massassou, dit junior, dont l'arrestation brutale lors de la marche de l'opposition avait fait le tour de réseaux sociaux et sorti de l'hôpital après de soins appropriés sur instruction du chef de l'État. Le combattant de l'UDP sont appelés à l'unité et à la cohabitation entre peuples. Appel lancé par le fédéraux de l'UDPS Kinshasa qui condamne le discours de haine. Madame, messieurs, voilà tout pour le titre. À toutes et à tous. Bonjour, rendons-nous en Ituri, où son gouverneur militaire a rassuré la population de la ferme volonté de forces armées déterminées à sécuriser la population. Junior Sélimani. Rien ne sera comme auparavant. Tous les groupes armés réfractaires au processus de paix seront poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement, soit par les opérations militaires, soit par la justice congolaise et internationale. Déclaration du commandant des opérations militaires de l'Ituri faisant le point de la situation sécuritaire en territoire de Djougou au sorti de la réunion de commandement avec la MONUSCO et le comité provincial de sécurité, d'où la population est appelée à faire confiance aux forces armées. De la même façon que nous sommes en train d'organiser la paix, de la même façon aussi de l'autre côté l'ennemi est en train aussi d'organiser la déstabilisation. Mais ce qui est sûr, c'est que cet ennemi ne va pas nous vaincre. J'ai parlé la dernière fois, vous avez 4 choix. Vous êtes désarmé, vous vous démobilisez, c'est la justice et la neutralisation. Et cela après que nous ayons parlé au Premier ministre, à la CPI, au procureur, au secrétaire général adjoint qui était venu ici et au commandant force de la MONUSCO. Dans la même veine, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni annonce le lancement d'un mandat d'arrêt contre toute personne impliquée, de près ou de loin, dans la déstabilisation de l'Ituri. La justice, c'est contre qui? Hier, c'est contre monsieur chef de la jeunesse Tchoura. Il sera arrêté, quelles que soient les manifestations qu'ils vont faire. Il a pris la clé des champs. Il s'agit de monsieur Pili, l'homme de Codeco qui a organisé ces attaques-là. Nous allons le neutraliser. Pour l'instant, le calme est revenu dans cette région à la suite d'un déploiement de FRDC. Occasion pour Dr. Loné Mavajiru d'appeler la communauté EMA à l'apaisement et d'accompagner les autorités militaires pour les retours rapides de la paix. Le gouverneur nous a rassuré que depuis toute la semaine, il suit de près les moindres détails des événements qui se déroulent chez nous dans le territoire de Djougou. Appelons toute la communauté HEMA au calme et aussi à persévérer pour la démarche de la paix. Donc nous allons continuer à faire confiance à notre gouvernement, à notre province, pour que nous puissions ensemble rétablir la paix dans Djougou, dans Irumu et dans tout l'Ituri. Dans l'actualité également, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé s'est entretenu avec les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga. Nous sommes venus rencontrer notre fils, le Premier ministre, et le féliciter pour sa reconduction, a déclaré le coordonnateur des autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga qui a fait la restitution de leurs échanges devant la presse. Les autorités traditionnelles du Haut-Katanga veulent rencontrer le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui témoigner leur gratitude pour la reconduction de Jean-Michel Samalou Kondé King au poste de Premier ministre et lui réitérer leur soutien. Elles ont profité de la présence du chef de l'exécutif national à Lubumbashi pour poser ses problèmes, afin qu'il soit leur porte-parole auprès du président de la République et leur faciliter l'obtention de ses rendez-vous. Nous sommes venus rencontrer notre fils, le Premier ministre, son Excellence Samalou Kondé Kengé, pour le féliciter de sa reconduction en tant que Premier ministre, en remerciant le chef de l'État qui a pu comprendre notre doléance d'autrefois quand on a eu la rencontre avec lui sur l'avenue Kamagnola. Nous lui avons demandé de garder nos enfants, en l'occurrence le Premier ministre, qui pouvait l'accompagner jusqu'aux élections de 2023. C'est chose faite. Alors pour cela, les autorités traditionnelles que nous sommes,
On ne pouvait pas rester indifférent. Sa reconduction fait la joie. C'est comme ça que nous sommes venus de vive voix lui dire merci au chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous voulons de cette rencontre que le Premier ministre puisse aller déposer notre doléance au chef de l'État. Parce que le chef coutumier de l'espace Grand Katanga cherche à le rencontrer pour le remercier de vive voix. C'est depuis le samedi 10 juin 2023 que le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge séjourne dans le Haut-Katanga pour une mission de suivi des travaux de construction des infrastructures dans le cadre du projet de développement des 55 territoires de la République démocratique du Congo. Je l'avais annoncé au sommaire de ce journal. C'est un adolescent en bonne santé qui peut enfin reprendre le chemin de l'école Roger Massasoudi Junior, dont l'arrestation brutale lors de la marche de l'opposition avait fait le tour de réseaux sociaux et sorti de l'hôpital après de soins appropriés sur instruction du chef de l'État à Mitié Niaitoni. Ses patients en palais thoracique venus de l'Équateur peut de nouveau reprendre ses activités. Son intervention chirurgicale réalisée par le spécialiste dépêché par le garant de la nation a été un grand succès. Regardez. On le surnomme le miraculeux. À 37 ans, ce père de famille peut de nouveau se relancer dans ses activités d'exploitation des palmiers, le vin et surtout l'huile de palme. Pour comprendre son histoire, il faut remonter le temps jusqu'en avril dernier dans la province de l'Équateur. Un dimanche, la routine de Monsieur Amitié Niaitoni de grimper les palmiers tourne au drame quand celui-ci fait une chute d'environ 10 mètres. La corde plutôt sur laquelle il s'était appuyé avait cédé et du coup, il était en train de faire une chute libre. Dans sa chute, il avait croisé une branche d'un arbre qui avait transpercé tout le thorax. Donc, il était entré par la partie antérieure pour ressortir par la partie postérieure du thorax. Et du coup, il était resté suspendu à ce tronc d'arbre-là. Très vite, la nouvelle se propage. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'en est saisi, a aussitôt dépêché une équipe médicale spécialisée pour l'acheminer à Kinshasa. Une fois sur place, le diagnostic tombe. Plusieurs fractures costales, un fragment pointant vers le massif cardiaque, le pronostic vital est engagé. Après 6 heures au bloc, le patient est hors du danger, au grand bonheur des médecins. Le chirurgien ainsi que l'anesthésiste étaient venus de la France, réquisitionnés par le commandant suprême bien sûr. Avec le personnel de notre hôpital, on avait constitué une équipe qui avait procédé à l'intervention chirurgicale. Elle avait duré longtemps, mais c'était un succès parce que les suites opératoires avaient été bien exécutées et aujourd'hui, le patient a repris toute sa santé. Il n'a plus rien sur lui. Il est en train seulement de demander son retour au village d'où il était venu. Impatient d'être revu, lui, à qui personne n'avait donné la chance de survivre. Totalement rétabli, Amitié, comme son épouse, remercie le chef de l'État pour son humanisme qui vaut la vie à ce père de 5 enfants. Ce qui n'a pas vraiment, et puis, la famille Mobimba, et puis, qui n'a pas occupé la moyenne, et puis, la chance de gouvernement, président Abisso et Aïkoul, dès que non, il a salé la peine à la CP Magazi. Et puis, dans le territoire, dans l'Abisso, et puis dans la province, c'est plus ma casse dans le Cambo, au président de l'Abisso, il y a eu la salle pour Nangaï. Pour Nangaï, et puis, c'est plus ma casse, territoire dans l'Abisso, au Mongo, et puis, province dans l'Équateur, Mambandaka, c'est plus ma casse. Merci, président Félix Kitcheke. Na malamu yo sale libiso ke mobai nanga koti nzete. To aki ata na mbongo tena eloko moko te meto uta na territoire bo mongo to koma na mbanda ko matcha biso na avion. To ye a na kata bilamba osombe libiso to zo lia bien to zo la nzala te. Dans le même bâtiment, un autre patient quittait aussi l'hôpital après des soins appropriés sur ordre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Avec une histoire différente de celle de Amitié, le jeune Roger Massasoudi Junior, brutalisé lors d'une interpellation policière pendant la marche de l'opposition, a lui aussi palpé l'humanisme du chef de l'État. Ses parents n'ont pas caché leur témoignage. C'est plus ma case, sinon il y a salé. Merci, Mingi. Les Mokonjaza Boué, le président d'abord, vraiment, action là, dans mon yango. Et puis si, Mokon, président de la République, merci, nous sommes les Lungaï. Cette bienfaisance du président de la République n'a pas fait oublier la leçon à ses parents qui, sans doute, ne laisseront plus leur enfant à la merci de la manipulation politicienne. Restons toujours dans le chapitre de la santé. Lancement par le ministre de la Santé d'un atelier de restitution du plan national de la situation sanitaire en RDC. Edith Chala pour plus de détails. Poser le diagnostic du système de santé en République démocratique du Congo, c'est l'objectif de l'atelier de restitution du plan national de la situation sanitaire de la République, lancé lundi 12 juin 2023 à Kinshasa par le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba. Ces assises, qui prendront environ 5 jours, réunissent les acteurs étatiques du secteur aux côtés des partenaires et du système des Nations Unies pour lever les options afin d'améliorer le système de santé congolais. Pour ce premier jour, les participants ont suivi tour à tour les présentations des différentes commissions, notamment sur l'état de santé de la population, la qualité des soins, les infrastructures sanitaires, la lutte contre les maladies et la qualité des médicaments. Le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo a donné les orientations stratégiques sur les diagnostics sectoriels et le financement du secteur, ainsi que les priorités budgétaires 2024. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dans tous ses discours, depuis son arrivée au pouvoir, parlé de la santé. Cela montre l'importance qu'il donne à notre système de santé. Nous avons donc entre nos mains une partie importante de notre responsabilité pour le développement du pays. Ayant constaté la pluralité des maux qui rongent les systèmes sanitaires de la République démocratique du Congo, le docteur Samuel Roger Kamba a accordé plus de temps que prévu aux participants afin de proposer des solutions adéquates. Autre grand titre de cette édition, la RDC, élue membre du conseil d'administration de l'ITSIA International. Le pays représente aussi 8 nations de l'Afrique francophone. Une élection obtenue grâce aux efforts réalisés dans la transparence dans le secteur extractif, a déclaré la ministre d'État en charge du plan. Un reportage de Françoise Bouela dans un film de Pompomba. Yamnadio, nouvelle ville sénégalaise. Centre international de conférences Abdou Diouf, CICAD. Pour la première fois, l'ITIE signe une première conférence mondiale en Afrique 20 ans après sa création. Je voudrais d'abord féliciter tous les Africains parce que c'est la première fois que cette conférence mondiale a lieu en Afrique et on remercie pour ça le Sénégal. Plus de 50 nations participent aux assises, notamment la RDC. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, désigne la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Soumy-Nouatou-Louka, pour le représenter. Placé sous le thème « La transparence dans un monde en transition », ce forum mondial a connu 4 allocutions pour la cérémonie d'ouverture, dont celle du premier ministre sénégalais, Amadou Ba, et de Hélène Clark, PCA de l'ITU International. L'organisation de cette conférence coïncide avec l'élection de la RDC pour le mandat de l'actuel coordonnateur Jean-Jacques Kayembe comme membre du conseil d'administration de l'ITU International. Aujourd'hui, la RDC est inclue au niveau du conseil d'administration de l'ITU et nous allons représenter la région Afrique avec 8 pays francophones et donc pour nous, c'est un cadeau que nous pouvons offrir au chef de l'État, puisqu'aujourd'hui c'est son 60e anniversaire et nous sommes fiers de lui offrir cela. Longtemps mal coté, les efforts fournis par la RDC dans la gestion transparente du secteur extractif ont payé une victoire diplomatique. Ils ont estimé que nous avons une expérience à partager dans toute la sous-région. C'est pour ça qu'ils ont estimé qu'il était bon que nous puissions porter le flambeau de la sous-région pour essayer de diffuser dans toute la sous-région, la marche que nous avons imprimée au sein de notre pays. La délégation de la RDC, on compte la présidence de la République, la primature,
la société civile, la CTCPM, la Cour des comptes et les régies financières. Il s'est ouvert depuis le 12 juin 2023 à Kinshasa un atelier d'évaluation du programme gouvernemental Esprit de vie organisé à l'initiative du ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement. Cette rencontre a pour objectif de mettre en place une nouvelle dynamique, nous fait savoir José Baïtouam. Désormais un service public à caractère technique placé sous tutelle du ministre ayant dans ses attributions les transports, voies de communication et désenclavement, les programmes gouvernementaux Esprit des vies doivent être orientés sur ces objectifs en vue d'un meilleur rendement. Marc Kilali Kombo, qui tient à ses voeux du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement que dirige Jean-Michel Samalou Kondé, a initié un travail d'évaluation de ce programme dans l'objectif de renforcer sa gouvernance, son efficacité et son extension à l'intérieur du pays. Il est apparu la nécessité de la tenue de cet atelier pour repenser les mécanismes de fonctionnement de ces programmes gouvernementaux. C'est ici pour moi l'occasion d'interpeller une fois de plus votre conscience et de vous inviter à accomplir un travail de fond et de qualité assorti des recommandations pertinente et innovatrice. Participe à cet atelier la coordination du programme Esprit des vies, les membres de l'APEVCO, association de propriétaires de véhicules affectés au transport en commun, ceux du groupe Tambola, tous acquéreurs, des représentants du ministère du Budget et Finances, ainsi que du Central Motor, les concessionnaires ayant en charge la livraison des véhicules Esprit des vies. Cet atelier d'évaluation du programme gouvernemental Esprit des vies doit permettre à aplanir les obstacles entravant la réalisation des objectifs de sa création à ces jours. La vice-ministre de Transport, Séraphine Kiloubou, était présente lors du lancement de travaux. Dans un autre registre, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a lancé officiellement le mardi 13 juin la deuxième édition du prix Henriette Eke Alifasik. Retour en image. Je suis donc heureux de prendre part ce jour à cette cérémonie de lancement de la deuxième édition du prix des médias Henriette Eke 2023. Ces concours organisés par le Fonds des Nations Unies pour la population à l'intention de journalistes prestant en République démocratique du Congo a pour thème mettre fin aux violences basées sur le genre en RDC. Après l'adoption des textes légaux et réglementaires ici en République démocratique du Congo, les inégalités liées au genre demeurent un défi majeur. Lutter contre la violence basée sur le genre est donc un des défis majeurs et permanents du gouvernement qui nécessite la sensibilisation et la mobilisation de toute la communauté nationale. L'objectif de ces concours qui se déroulera sur une base annuelle est de susciter une émulation entre journalistes afin de donner un meilleur traitement aux productions journalistiques. Le champ porté sur les facilités pour le lancement de ce prestigieux prix est le signe de la considération et de la place que vous accordez à notre admirateur. Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, estime que ce concours qui s'inscrit dans cette large dynamique de sensibilisation vise à accroître l'implication de professionnels de médias dans la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre, les abus et harcèlement sexuel, augmenter le volume de production médiatique sur la prévention et la lutte contre les violences, ainsi que la promotion de l'autonomisation de la femme. Allez, on change carrément de chapitre. Augustin Kibasa Maliba, ministre de Pétantique, encourage les opérateurs de télécommunications qui souhaitent investir en RDC de s'y conformer à la réglementation. Il encourage par ailleurs la société Orange de poursuivre son investissement au pays de Lumumba. Regardez.
La société United Investments Limited vient de répondre à l'appel lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo aux investisseurs étrangers de venir investir en RDC. Cette nouvelle entreprise américaine spécialisée dans les secteurs des télécommunications sera désormais comptée parmi les entreprises qui opèrent dans les domaines d'éthique en RDC. L'UIT s'occupera du déploiement d'un réseau à fibre optique et de la construction des centres nationaux de données et d'infrastructures à travers les territoires nationaux. Le gouvernement congolais, par les biais du ministre des Pétentiques, Augustin Kibasa Maliba, a signé ce mardi 13 juin 2023 un contrat de partenariat public-privé avec cette entreprise américaine, leader mondial en infrastructure numérique. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir améliorer la qualité de nos services de télécommunication, étendre la couverture de notre réseau et offrir des nouveaux services à nos citoyens et ceux à moindre coût. Nous allons également renforcer notre capacité à répondre aux besoins des entreprises, des services ayant pour objectif de servir les citoyens. Kirby Gonzalez, chairman de la société UIL, reste confiant quant à l'aboutissement de ces partenariats. So I see this is a great opportunity to... C'est une opportunité pour venir aider le peuple du Congo pour réaliser la potentialité dans le marché global, pour aider les gens locaux à développer. Telecommunication touches touche tous les aspects de l'économie. Ça va aider, well as ça va contribuer au niveau de l'employement, de l'éducation, agriculture, les infrastructures. Ces partenariats gagnant-gagnant entre les deux parties vont non seulement favoriser l'accès à l'Internet à haut débit, mais va également permettre la création des emplois en RDC tout en diminuant les taux de chômage décriés par tous. Parlons finance. Pendant 5 jours, 2 experts comptables de la RDC réfléchissent sur le technique d'élaboration des états financiers de synthèse des entités à un but non lucratif. Jacques Mégé. Dorénavant, les associations dans leur ensemble, les écoles, les ONG, les partis politiques, les confessions religieuses et certains clubs sportifs auront leur propre système comptable qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Durant 5 jours, les experts comptables et le représentant des confessions religieuses notamment vont s'imprégner de techniques d'élaboration des états financiers, de synthèse des entités à but non lucratif à Béatrice Hôtel. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par le représentant de la ministre de Justice et Garde des Sceaux, professeur Roger Massamba, président de la Commission nationale OADA. Au nom de son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et présidente en exercice du Conseil des ministres de l'OADA, je voudrais en appeler à votre assiduité, dont je ne doute aucunement, c'est une multitude, je dirais presque infinie d'entités qui seront concernées. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est sur cette note de contribution et de partage des connaissances que je voudrais déclarer ouverte cette double session de formation au ADA et je vous remercie pour votre attention. Organisée par l'ONEC, Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, la formation sera assurée par l'ERSUMA, École régionale supérieure de la magistrature de l'OADA. Le Monde a célébré le mardi 13 juin 2023 la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. L'inclusion fait la force et la thématique de cette année à Kinshasa. Une rencontre de sensibilisation a été organisée par le ministère en charge de personnes vivant avec handicap. Betty Amani. Le 13 juin de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Pour l'année 2023, les Nations Unies ont retenu le thème « L'inclusion fait la force ». En République démocratique du Congo, le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a commémoré ensemble avec les personnes atteintes d'albinisme. Cette célébration a coïncidé avec l'anniversaire du chef de l'État.
Le directeur du cabinet de la ministre déléguée en pêche, Franck Kitenge-Fita, a brossé les avancées enregistrées par le ministère dans le cadre de la protection et promotion du droit de la personne atteinte d'albinisme. Le chef de l'État, en institution le ministère des PVHAPV, avait déjà vu cela, que c'est dans l'inclusion que nous retrouverons une force en tant que nation. La conseillère en matière du genre et autonomisation des personnes atteintes d'albinisme a circonscrit cette journée. Le monde entier prend l'inclusion sociale. Pareil qu'ici en RDC, le chef de l'État, il a toujours repris ce principe de ne laisser personne pour compte. Ce qui témoigne également son souci pour l'inclusion sociale, mais particulièrement nous aussi les personnes atteintes d'albinisme qui, dans les temps, avaient été marginalisées, discriminées par le simple fait d'avoir la couleur de la peau. Cette célébration a été marquée par la remise des kits aux enfants et à quelques participants, dont de la ministre déléguée Irène Sambodiata, pour protéger les peaux de personnes atteintes d'albinisme contre les lésions cancéreuses dues au manque de la mélanine. Écho de parti politique. Le combattant de l'UDP sont appelés à l'unité et à une cohabitation pacifique. Appel lancé par le fédéraux de l'UDP, ce Kinshasa qui condamne les discours de haine. Non au tribalisme. Non au tribalisme. Oui à l'unité du pays. Oui à l'unité du pays. Le chef d'état-major politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a encore galvanisé les troupes le dimanche dernier sur la cohabitation pacifique et la bataille électorale de décembre de cette année. Augustin Kabuya a commencé sa communication en condamnant l'attitude du chef de file de la Mouka qui était parti aux États-Unis pour solliciter les sanctions contre lui. Pour le numéro 1 de l'IDPS, les instigateurs des discours xénophobes contre une tribu de notre pays cherchent à distraire l'opinion internationale. La dernière sortie médiatique des deux députés de l'Assemblée pour les changements et les messages véhiculés pendant les rassemblements populaires de l'ICD en sont une preuve éloquente, a-t-il renchéri. Les silences radio des présidents de ces deux formations politiques contre des messages d'incitation à la haine tribale des hauts cadres de leur parti prouvent leur approbation. Concernant la compétition électorale de cette année, Augustin Kabuya appelle ses troupes à se mettre en ordre de bataille pour mieux l'aborder. Pour la convocation du congrès du parti, le chef de l'exécutif national de l'IDPS précise que les travaux de la CDP de Kisantu avaient désigné Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat du parti à l'élection présidentielle et lui avait confié le mandat d'engager le parti. À leur tour, les présidents fédéraux de la ville de Kinshasa ont aussi haussé le ton pour condamner la recrudescence des messages tribaux, la guerre de l'Est et les actes inhumains des miliciens Mobondo dans l'espace Gambandundu. Pour clôturer en beauté, le secrétaire général a demandé à l'assistance de souhaiter anticipement le chef de l'État joyeux anniversaire pour ses 60 ans d'âge. À cet effet, Augustin Kabuya a appelé à la mobilisation générale ce mardi 13 juin pour célébrer le sexagénaire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout à fait autre chose, à l'occasion de la célébration de 60 ans d'âge du président de la République au chef de l'État, le président de la dynamique Kitenge Yezu avait mis à la disposition de Quinoises et Quinois hier de bus gratuits pour leur mobilité. Jean-Richard Coallet. Plusieurs activités ont été organisées dans des églises et dans bien d'autres établissements publics ce mardi 13 juin 2023. En l'honneur du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son jour de naissance. Prônant la vision du chef de l'État à travers le slogan « Le peuple d'abord », Marc Kitenge Yezu, président de la dynamique Kitenge Yezu, a profité de cette occasion pour mettre à la disposition de la population quinoise des bus de transport en commun pour desservir plusieurs artères de la capitale congolaise, notamment à Tshangu, à Kintambo ou encore à Lupen. Il faut soutenir la vision du chef de l'État parce que le chef de l'État est un président bâtisseur. C'est une personne qui aime le Congo et qui aime sa population. Et par amour et par la volonté et par les choses concrètes, je pense qu'on voit très bien que depuis l'investiture de Félix-Antoine Tshisekedi, le Congo change et le Congo émerge. Les bénéficiaires ont également délié leur langue pour exprimer leur satisfaction. Ce geste social apporte une contribution de taille à la vision du chef de l'État, centrée sur le peuple d'abord.
Et puis, ces titres avant de nous quitter, état de lieu et fonctionnement actuel de la sous-traitance en RDC. Sujet exposé par le directeur de l'ARESP aux étudiants de l'Université de Kinshasa au cours d'une matinée scientifique. L'objectif d'amener les fils et filles du pays à la maîtrise des méandres de l'entrepreneuriat et de la sous-traitance et pour répondre, au-delà de tout, aux exigences de la vision du président de la République dans ce domaine précis, le numéro 1 de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, l'honorable Miguel Katen Kachal, a été invité ce week-end à l'université de Kinshasa pour un entretien à cœur ouvert face aux étudiants de plusieurs établissements universitaires, publics et privés, réunis à l'amphithéâtre Léon Saint-Moulin. Dans un premier temps, il a été accueilli par le comité de gestion de cet alma mater et la délégation de l'ARSP. Durant ce court échange, un bref aperçu historique de cette institution lui est narré. Cela sera suivi par quelques mots sympas couchés dans le livre d'or de l'université de Kinshasa. L'instant d'après, c'est le moment fatidique attendu par ces milliers d'étudiants qui du reste ont dû braver la fureur du soleil au zénith. Ici aussi, l'accueil réservé au DG de l'ARSP est simplement tonitruant. D'entrée de jeu, le mot de bienvenue du recteur de la première université du pays, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe. Monsieur le directeur général. À sa prise de parole, l'hôte du jour a tout d'abord commencé par son discours exposé de motifs afin de circonscrire le cadre d'échange avec ses cadres universitaires. Prenant la balle au bond, ces étudiants ont eu simplement une occasion en or pour une vie active parsemée d'opportunités. Du haut de son expérience de plus de 15 ans comme entrepreneur, Miguel Katen Kachal a brillamment répondu aux centaines de préoccupations de cette immense assistance. Du côté des étudiants de Kinshasa, cette rencontre était une découverte satisfaisante. L'homme de la sous-traitance en RDC a par la suite été conduit dans une visite guidée des stands afin de découvrir les prouesses de certains étudiants déjà engagés dans le secteur des start-up. Allez, madame, messieurs, ce journal de la rédaction est terminé. Un journal réalisé par Peshomo Benga Mustapha, au bio assisté de Joseph Nzezo et Luzembo Isaïe. Je vous retrouve à 13h pour de nouveaux titres d'actualité. Merci de rester fidèle au programme de la RTNC, la RTNC.cd. À très bientôt.